pouvez vous présenter? Je m'appelle Dieudonné Dikita Makubakuba. Je suis le président de la plateforme Kasaï Gabo. Voilà, un peu pour ce qui concerne la présentation. Est-ce qu'il y a tout lieu en tant que potentiel candidat aux élections l'année prochaine? Vous savez, quand je parle du Kasaï d'abord, les gens peuvent comprendre comme si c'était du tribalisme, du séparatisme, régionalisme. Mais non, nous parlons ici du développement local. Vous savez, Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui s'est battu pour le développement local. Étant gouverneur, il s'est battu pour le développement de sa localité, donc le Katanga. Et lorsque nous avons commencé à parler du développement du Kasaï, nous nous sommes dit que nous pouvons faire comme Moïse a fait au Katanga, c'est-à-dire nous battre pour l'intérêt du Kasaï. Et par là, ça ne veut pas dire exclure ou chasser le reste des gens du Kasaï, mais c'est d'amener tout le monde à s'intéresser au Kasaï. Comme Moïse Katumbi a amené pas mal de gens à s'intéresser au Katanga. Et par là, vous comprenez que si demain il y a élection au Congo, notre choix se dirige naturellement vers le modèle que nous avons choisi de suivre, de coopter au Kasaï, qui est Moïse Katumbi. C'est pour cela que je lance un appel à tous les Congolais en général et les Kasaïens en particulier de se choisir un modèle. Et ce modèle, c'est Moïse Katumbi, le chairman et le leader du développement à la source. Merci.